Coucou YouTube, c'est Bifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, et j'espère surtout les amis que vous pétez la forme. Bienvenue les amis pour une toute nouvelle vidéo sur la série de Minecraft dans le style RPG. Avant de commencer quoi que ce soit les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement et de votre soutien sur ma chaîne YouTube, cela me fait extrêmement plaisir. Si t'as envie de me soutenir un ami, rien de plus simple, mets le petit like de la famille, commente, partage, rejoins les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, notamment Discord, c'est là où vous aurez pas mal d'informations. Également, n'oubliez pas d'activer la fameuse petite cloche si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que là également, je vous donne pas mal d'informations dans l'onglet communauté de YouTube. Et également, les amis, de vous abonner si le contenu vous intéresse. Et n'oubliez pas, très important, si vraiment vous avez envie de me soutenir jusqu'au bout, de désactiver Adblock, qui permet de monétiser mes vidéos en regardant des publicités totalement gratuites. Et c'est ce qui permet au fait de financer un petit peu mes vidéos d'une façon gratuite. Et cela peut m'aider à investir dans du matériel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les amis, j'étais absent pendant une semaine pour la simple et bonne raison que j'ai investi dans du matériel au niveau de l'enregistrement et du streaming. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Je vous rappelle que j'avais un ancien PC qui était déjà puissant à l'heure actuelle. Et du coup, je le réutilise pour faire un PC d'enregistrement et de streaming. Et du coup, donc, j'ai commandé un Game Capture de chez Elgato, le 4K Pro. J'ai commandé une table de mixage logo XLR Mini, ce qui permet d'avoir plusieurs petits boutons et plusieurs pistes audio, une piste audio pour le microphone, une piste audio pour le son lorsque je suis avec des personnes, donc c'est-à-dire pour régler leur volume, également une piste audio je crois pour la musique et une piste audio pour le jeu. Après je peux faire différentes pistes audio comme j'en ai envie, voilà tout simplement hein. Et ensuite qu'est-ce que je peux vous dire de plus, j'ai également investi dans un nouveau microphone. Vous me direz ce qu'en vous en pensez un petit peu de la qualité de l'audio, j'espère en tout cas j'ai bien paramétré. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'étais absent pendant une semaine environ les amis. Sur ce les amis, on va tout simplement continuer la suite de cette aventure sur le jeu de Minecraft dans le style RPG. Je vous rappelle que le but objectif de cet épisode, ça va être d'être le level 17 en alchimie. Pourquoi? Pour avoir la particularité et de débloquer le craft au niveau des fioles. Pourquoi? Parce que j'ai envie de crafter une machine qui va permettre de pouvoir mettre des fioles à l'intérieur et de pouvoir stocker notre XP dans les fioles et mettre les fioles dans des trucs de stockage à l'abri. Comme ça, si on meurt, on peut revenir, on peut récupérer les fioles quand on en a besoin et de reprendre notre XP pour X raisons. Voilà, c'est l'objectif ultime. Donc 8 plus 4 est égal 12. Donc maintenant, il nous manque 5 points de skill au niveau de l'alchimie. Donc c'est parti les amis, alors il y a différentes façons maintenant de pouvoir farmer un petit peu tout ça les amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà on va se faire 3 épées, c'est la base de la base. Ah, il y en a une petite araignée qui me rend visite, voilà merci. La petite araignée, on va mettre ça là-dedans, on marque ici, on va la mettre. Je crois que ça m'a donné un œil. Ouais c'est bon. Ok, donc là j'ai assez de nourriture, logiquement c'est bon. Donc, l'objectif les amis, c'est qu'on va se rendre dans la porte de l'enfer. Moi c'est comme ça que je l'appelle, hein, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je meurs. Voilà, franchement c'est aussi simple que ça les amis. Donc dans la porte de l'enfer, qu'est-ce qu'il y a à miner qui est très important? Parce que maintenant, je vous rappelle que je suis au level. Et quand on est au level, eh bien, on ne récupère pas grand-chose en XP. Donc pour vous dire une ordre d'idée, je crois que maintenant la redstone tout ça, je crois que ça me donne même pas 1 en XP. Donc maintenant c'est pas worse. Attention, c'est par rapport au level du mode RPG, hein. Rien à voir avec les autres trucs, hein, ok. Faites très attention, il faut bien différencier le level du jeu de Minecraft basique et le level que nous avons sur... sur le mode RPG. Alors attendez, j'aimerais... les attirer un peu plus loin de la porte. Que je puisse au moins m'en rendre dedans. Est-ce que je vais avoir le temps? Logiquement, oui. Bon, personne n'est tapé dedans. Non, c'est bon. Alors, la dernière fois que je suis mort, les amis, voilà. J'avais laissé le petit point. On va le supprimer. Donc là, on est dans la porte de l'enfer. Alors, dans la porte de l'enfer, les amis, il y a différentes ressources à récolter qui nous donnent de l'XP. Donc, le quartz, ça nous donne quand même pas mal d'XP. Nous avons les pépites d'or. Et ensuite, nous avons les cubes de magma qui rapportent pas mal d'XP. Mais attention, il y a une façon de les farmer parce que sinon, ça ne donne pas d'XP. Il y a également les pinglins zombifiés, si je dis pas de bêtises. Il y en a 3 sortes. Les classiques,
l'arbalète et celui qui est un petit peu foufou, vous savez, avec une épée dans la main, et il court un peu partout. Il est un peu foufou, c'est pour ça que je l'appelle le foufou. Et alors on va essayer de l'attirer vers ici. Et puis voilà, par contre il faut faire extrêmement attention parce que les zombies momifiés c'est un peu comme les cubes de magma. C'est même pire que les cubes de magma, ceux-là one shot. C'est-à-dire qu'un coup, je passe à 1 HP quoi. Là j'ai pris un dégât, bon là c'est un peu de ma faute. Donc c'est pour ça que j'ai intérêt de faire attention les amis. Ok vas-y saute. Alors là il faut donner des grands coups en fait sur les cubes de magma, sinon ça donne pas d'XP les amis. J'ai failli me louper hein, j'ai failli donner un petit coup. Ah. Je crois qu'à mon avis, sans faire respect, j'ai dû en toucher un et ça donnait un petit coup. Bon c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il y en a un ici? Logiquement il y en a toujours. Donc ça c'est bon. J'ai intérêt de faire attention les amis au cube, mince, pas au cube, mais au, comment il s'appelle, au ghast. Parce que je me rappelle que les ghasts, avec le mode que j'ai mis, je ne les entends pas au fait. Donc j'ai intérêt de faire attention à ça. Je vais essayer de pas me louper. Donc ça pour l'instant c'est bon. Ouais, il y a des moments où ça donne pas d'XP hein. Hop. Bon, c'est pas si grave que ça. On a combien? 188 sur 188 sur 422. Ok. Ce qui était intéressant en fait, c'est de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'XP. Parce que je vous rappelle que l'objectif ultime, les amis, ça serait de faire une série en multijoueur. Pour l'instant, on n'en est pas là parce qu'on n'a pas encore assez d'abonnés actifs sur Minecraft. Donc, plus vous êtes nombreux à regarder ma série. Et plus si, si on est nombreux à regarder la série, eh bien c'est à dire que vous êtes peut-être nombreux à vouloir faire une série avec moi sur du Minecraft multijoueur. Et l'objectif ça serait de faire une série dans un style RPG. Bien évidemment j'ai pas mis les mods que j'ai envie de mettre pour la série, pour la simple et bonne raison que j'ai envie de garder un peu l'exclusivité. J'ai pas envie qu'on vole mon projet et mes idées. Donc du coup je préfère ne rien dire pour le moment par rapport au mode que j'ai envie de mettre dans cette série. Mais par contre j'aimerais bien avoir vos avis. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme mode dans un RPG de Minecraft? Ça je serais vraiment curieux de le savoir. Donc n'oubliez pas de me le dire par commentaire. Et peut-être que j'ai déjà pensé hein. Bien évidemment j'ai pensé à pas mal de choses. Mais comme je vous ai dit je vais pas le dire durant les vidéos. Maintenant je dis plus rien. Mais au moins j'ai envie de savoir et peut-être que on aura peut-être les mêmes idées vous et moi. Donc ça pourrait être sympa de savoir un petit peu de ce que vous aimeriez voir dans un RPG de Minecraft. Pour vous donner une ordre d'idée les amis, j'ai même pensé à des trucs de RPG qu'on ne retrouve pas maintenant. C'est-à-dire qu'avant on les retrouvait dans les anciens RPG et dans les nouveaux RPG on les retrouve plus. Ça c'est vraiment dommage. Mais moi personnellement, bien du coup... Eh bien, je sais quoi mettre pour ceci. Alors, attendez, on va farmer ça plus tard. Ah, c'est ceux-là, les foufous. Oh, attendez, ceux-là, ils ont un... Je me concentre, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai pas envie de mourir les amis. Donc là j'ai combien? J'ai 208 sur 422, ils m'ont donné pas mal d'XP mine de rien. Donc là il y a un cube de magma. Ça pourrait être intéressant de les tuer. Enfin de le tuer. Vas-y viens ici. Donc ça c'est pas mal. Laisse-moi juste faire ça l'ami. Et après je vais te tuer. Donc vous voyez, il y en a un qui était à l'arbalète et l'autre qui était avec sa petite épée. Ça j'en étais sûr. Faire très attention les amis quand vous formez le quartz. On va balancer ça du coup. Allez. Bande de petits coquinous. Alors ça, à savoir, c'est du rock... rock salt.
Je me méfie parce qu'ils sont un peu foufous ceux-là. Hein. Aïe. Attends, j'aimerais juste tuer le cube de magma. Enfin, les cubes de magma. Oh, ce qu'il m'a mis, lui. Vous avez vu? Ouais, pour l'instant, les amis, moi, je vous avoue que là, je vais un petit peu reculer. Hein. Là, il me one shot, hein. Il fallait pas me chercher, mon ami. Ils sont traîtres. Hein. Ils font style de partir pour revenir. Faites très attention. Ils sont vachement traîtres, ceux-là. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Laisse-moi tranquille. Non, non, là, t'assumes. T'as voulu m'attaquer, mec. T'assumes. T'assumes. Là, je suis à combien, les amis? Je suis à 305 sur 422. Oh non, c'est un petit. Nessie. Nessie. Oh, oh. Oui, 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 oui. Oh, attendez, on va ramasser déjà le quartz, on va y aller tranquillement parce que là... Ah, je vous l'ai dit, hein, je les entends pas, hein, les ghasts. Je vous l'avais dit, avec le mode, je les entends pas. Aïe. Là, il vient de me lancer une bouboule. Là, je crois qu'il vient de me lancer encore une bouboule, ouais. Et là aussi. Là, il arrive à toucher, j'ai intérêt de faire attention. Ça, c'est bon à se faire avoir, les amis, quand je vais ramasser les crèmes de magma. Ok, c'est bon. Alors, je sais que je pourrais tricher, hein. Je pourrais vraiment tricher, mais j'ai pas envie de tricher, les amis, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que j'ai amélioré au niveau des mods pour faire la série en multijoueur. Parce que vous savez, bon, vous le savez tous, il y en a qui trichent, hein, comme YouTuber, on va pas les citer, mais vous le savez tous, hein, ça se voit, hein. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de tricher par rapport à ça. Je veux savoir les avantages et les inconvénients de chaque mode. Donc là, on va y aller doucement parce que j'ai peur qu'il y ait de la lave. Ils font un peu peur, honnêtement. Je pense qu'on va peut-être commencer à les tuer un petit peu, non ? Voilà, et là l'astuce c'est de faire ça. Attention au ghast qui est pas loin quand même. Je suis à combien? Ah bah attendez, un point, donc là il m'en manque plus que 4 les amis. Je suis à 2, ok. 2 ça me donne 10 les amis, vous avez vu, ça me donne déjà 8.
Oh là là. Ah, ça me donne pas d'XP, y en a un. Oh non, il me donne pas d'XP. Allez, on va redescendre. Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs inventaires? De la chair putréfiée, la pépite. Chair putréfiée, pépite. Et lui. Ok. Bon, on va laisser, on va s'éloigner un petit peu. Hein. On va monter en haut, les amis. On va continuer à prendre du quartz. Ce qui serait cool, par contre, c'est que je ne meure pas en revenant, quoi. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur, mais bon. C'est le jeu, hein. Si je meurs, je meurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, je suis à combien, les amis? Je suis à 48. Là, il y a des pépites. Bon, ça, c'est le ghast qui a mis le feu. On va ramasser les pépites d'or. Ça donne un petit peu d'XP. Toujours pas de refus. C'est vrai que là c'est tentant, mais c'est là où il y a le ghast. Je vais peut-être éviter quand même. J'ai pas envie de mourir. Hein. Je pense que ça se ressent. Hein. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tendus. Hein. Ouais, ils sont tendus. Ils y sont encore par rapport à l'histoire de tout à l'heure. Que j'ai tué leur compagnon. Ok, donc là je vais récupérer de l'XP encore au niveau du quartz comme ceci. Hop là, parfait. Il y a encore du quartz là. Là il y a des pépites d'or là. Intéressant. On va essayer de s'approcher un maximum. Ah, dommage, tombé. C'est pas si grave. Là, il y a de la glowstone. On va la laisser pour l'instant. La glowstone, ça m'intéresse pas. Ouh, le ghast. What? What? Oh, la hitbox. Elle est buggée, la hitbox, là. Voilà. Et boum. Fallait pas me chercher, mon ami. Ça m'a donné combien? Ouais, pas grand chose. Ça m'a pas donné grand chose. Merci. Merci. Viens ici, toi. Viens. Come on. Yeah. Allez, come on. Allez. Nice. Allez, viens ici, mon petit. Allez, donne-moi de l'XP. Il m'a rien donné pratiquement en XP. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Du coup, c'était le ghast qui venait de là-bas, je pense. Hein. Donc maintenant, je peux peut-être y aller. Hein. Ah, il y a l'autre foufou là. Après, il y a une astuce, vous voyez. Hein, vous contrez avec le bouclier. Très important le bouclier. Hein. Et quand vous contrez avec le bouclier, vous pouvez donner deux coups comme enchaînement. Vous remettez le bouclier et vous redonnez un coup et logiquement il est mort. Là, je fais attention, je mine comme ça pour pas prendre les dégâts de la lave. Hein, parce que la lave, des fois, ça surprend un petit peu les amis. Hein, je préfère vous le dire. Parce que moi, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. On va manger un petit coup. 143. Allez, on va continuer les amis.
En tout cas, ça fait plaisir. Franchement, hein, ça fait plaisir de retourner sur Minecraft. Ça m'a manqué hein, pendant une semaine de pas jouer à Minecraft. Bon, j'ai joué à Minecraft, mais c'était avec ma nièce quand je l'ai eu à la maison. Mais c'est vrai que ça m'a manqué. J'ai joué du coup à la dernière version, la 1.18.1. Mais ça m'a quand même manqué hein, le mode, le petit mode pack RPG là que j'ai fait. Ça m'a manqué. J'avais vraiment envie de le découvrir le. Les modes en question. Donc ça c'est bon. On va essayer de monter en haut. Ok ça va, ceux-là c'est les gentils on va dire. Il y a le foufou en haut. Eh ouais mais attends le foufou là il peut me toucher non? Attends il faut faire attention. Eh là, il me fait tomber hein. Il fait tomber je suis mort. Hein. Donc ça c'est bon. Hop. Allez, donne-moi de l'XP, parfait. Allez, donne-moi encore, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, j'ai trop de choses sur moi. C'était ouais, vers ici. Je vais essayer d'éviter de prendre des dégâts parce qu'il me reste plus que 12 toasts. Ils m'ont fait peur, j'ai cru qu'ils allaient m'attaquer. Tac. C'est bon, il y en a encore en haut. Ce d'en haut, c'est vraiment prendre des risques parce que là, s'il y a un ghast qui me propulse, je suis mort instant quoi. J'ai vraiment intérêt de faire attention. Allez hop, on va récupérer ça. Je pense qu'après, on va se refaire une petite vague de zombies. Enfin, de zombies. De cochons momifiés, on va les appeler nous. C'est pas mal. 303 sur combien? 434? Franchement, c'est pas mal. Hein. On va plutôt vite. Hein. Alors là, on descend tranquillement. Voilà, comme ceci. Là, il y en a encore là. On va essayer d'en profiter. Ça peut prendre moins de risques. Moi, je prends... Parce que c'est bien de miner, de prendre des risques, mais comme je vous rappelle là, c'est que logiquement, il me donne un coup d'épée les cochons momifiés. Déjà, je suis à 1 sur 8. Et si je tombe sur des petits, bah, ils attaquent beaucoup plus rapidement et du coup, bah, tu meurs aussi rapidement quoi. Il y a un ghast. Je l'ai même pas entendu, les amis. Mais je l'ai pas entendu du tout. Hein. Là je vais me mettre en mode accroupi, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Non c'est bon. On va essayer de descendre par là. Tac tac tac. Tac. Vous avez vu j'ai des mouvements genre... Enfin des réflexes, genre je regarde toujours derrière moi. Oh là 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 là. Et là j'ai eu un coup de chance. Oh mon dieu. Là j'ai cru que c'était fini. C'est luck. Je suis à 402 sur 434 les amis. Attendez, on va regarder comment ça donne. 404. Ah, ça me donne que 2 là les amis. 2, 4. Ouais, c'est aléatoire hein. Il m'a fait peur, je croyais qu'il allait m'attaquer lui. Hop. Là j'ai miné comme ça. Arrête de me faire peur comme ça là.
Mais arrête, tu me fais peur. Laisse-moi tranquille. Regardez là-bas. L'arpenteur. Ça, je vais casser ça comme ça. Hop. Ok, là je suis à combien? Ah, un point de skill en supplément les amis. Donc il me reste plus que 3 points de skill et on sera bon les amis. Allez. 64. 64, 65. 66, ça me donne plus rien. C'est parce que j'ai dû monter en level, non? 63, ouais, j'étais à 61 avant les amis, hein, je crois. Bah là, il faudrait que je... Remarque, lui, là, je pourrais le tuer, lui. Attention, attention à ce que tu fais, toi. Où il y en a deux? Je connais pas la distance sur laquelle il peut m'aggro. C'est pour ça que je fais attention. Là, on a de l'XP. D'accord. Il y a beaucoup de quartz en haut. Hein. Je vais essayer de grimper. Attendez, on va manger un petit toast. Ok, donc là il faudrait que je fasse comme ça. Est-ce que j'ai peur, c'est les ghasts. Hein. J'ai vraiment peur que les ghasts, je l'entende pas et qu'ils m'attaquent. Hein. Ok, là je suis à combien? 94. Ah, il y a les deux petits foufous là. Est-ce que je me refais pas une vague de ces monstres là? On va se les faire, hein. Mourez! Il me reste plus qu'une épée après, je crois, les amis. Hein. Petit coquin. Voilà. Regardez combien j'ai. 149. Bon, on va continuer à ramasser du quartz, hein, je crois. là, il y a une boule de ghast. Enfin, une ghast, je veux dire. Pas une boule, mais un ghast. On va essayer de faire comme ça. C'est super dangereux ce que je suis en train de faire. Parce que là, il y a un ghast qui me surprend. Je suis mort. Ok, pour l'instant ça se passe bien les amis. On y va. Donne-moi juste l'XP, ça ira très bien.
Voilà, c'est pas grave que ça tombe dans la lave. Ah, c'est ce que j'avais vu là. Je l'avais vu de loin celui-là, le gisement. Je vais faire doucement en les ramassant. Il peut avoir un bloc de lave à côté et je pourrais mourir bêtement. Faut vraiment faire attention. Alors, ça va, il y en a des fois qui me posent la question, mais pourquoi Mifa, tu fais pas des coupures? Parce que je vous rappelle que c'est de la découverte au fait. On n'est pas là pour faire la, en mode one game beast to fly forever, comme je le dis. On est vraiment là pour découvrir et pour que je vous montre un peu comme ça peut être dur, comme ça peut être également simple. Et je vous donne également des astuces. Honnêtement, ça pourrait être. Je pourrais fermer dans mon coin. Bêtement, etc. Mais je vois pas l'intérêt au fait. Faut vraiment que je vous montre. Parce qu'à tout moment je peux mourir et je pense que ça, ça peut être intéressant. De voir les risques à prendre pour avoir quelque chose quoi. Ouf. Là j'ai combien? 268. Ah, n'y est presque les amis. On va faire un truc comme ça, on va faire un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. J'essaye de descendre le plus possible. Voilà, parfait. Oh, il y a encore le foufou là. Ou pas. Mon ami, il fallait pas se louper, hein, 282. Par contre, il rapporte vraiment pas mal, hein. Ça pourrait être bien à chasser, hein, honnêtement. Tac. Allez, on va continuer. Je croyais qu'il y avait un ghast, mais non. Ça va. J'ai combien? 320. Donc là, on a un petit truc de... Ok, on va peut-être éviter à côté d'eux. Je sais pas, j'ai toujours peur. Tac. Je me mets à la troisième personne parce que je me dis que peut-être qu'à tout moment ça peut arriver derrière mon dos. Ok, là je me dépêche, je prends tout. Et il y en a un aussi. Il y en a d'autres qui se cachent dessous. Allez, on a bientôt passé encore un point de skill les amis. C'est bien parce que toute chose est méritée, hein, mine de rien. Donc là, j'ai une épée. Je ramasse l'or, j'essaye de regarder un petit peu s'il m'attaque pas, on sait jamais. On va balancer ça, je préfère prendre des pipites honnêtement. Tac. Ok. Ok, ça c'est parfait les amis. Là on est à combien là? 412 sur 446. Oh, on y est presque. Allez, do it. On va aller là-bas. Là on va peut-être faire ça parce que là si je reviens et que je fais un jump, je le sens arriver là, le drame. Je me connais hein, les amis, des fois je suis un peu foufou. Hein.
J'entends partout de la lave. Allez hop. En tout cas, chose qui est sûre, les amis, c'est que ça me rapporte moins maintenant. C'est bon à savoir, hein, mais de toute façon, je pense que vraiment ça correspond au level. Hein. Je l'ai bien remarqué, ça. Hein. Plus tu montes en level en RPG, et plus ça met du temps maintenant à avoir de l'XP. Ce qui me paraît logique en soi. Hein. En soi, c'est vraiment logique. On peut pas dire non, c'est pas logique. Si, c'est totalement logique. C'est comme ça que ça marche en RPG. Là je continue, je regarderai après pour le skill, hein. Ne vous inquiétez pas, je farme un maximum. Il va plus me rester de... Bon, j'ai de quoi faire des outils s'il faut, mais... On va utiliser de la pierre qu'on a sur nous là. Je sais pas trop ce qu'il y a vers ici, on va faire attention. Parce qu'on entend des bruits de lave un peu partout, donc peut-être qu'il y en a dessous. Hein. Donc là, en fait, si je fais comme ça, les amis, c'est parce que si un... Par exemple, si je mine, et que là, il y a un bloc de lave qui me touche, je suis mort instant. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de me régène. Parce que je vous rappelle que le point de skill au niveau de la régène, je l'ai pas monté non plus. Donc, le temps que la nourriture se mette en place... Déjà que la génération de la santé se mette en place et du coup consomme mes cuisses de poulet dans le jeu d'origine pour ensuite vous consommer de la nourriture, eh bien cela prend du temps. Et si cela prend du temps, forcément, je vous laisse deviner la suite, eh bien c'est la catastrophe. C'est vraiment la cata quoi. Ok, donc là c'est bon. Ça, j'aimerais bien le prendre, ouais. Là, pareil, on va faire attention. Je fais attention parce que j'ai l'impression que je vais manquer de nourriture à force. Là, pareil, il y a un nouveau petit bloc et j'aimerais bien le prendre. C'est la champi-lampe. Je vais peut-être faire un demi-tour. J'ai un mauvais pressentiment, les amis. Il y a un côté de moi qui me dit Mifa, retourne. Donc, c'est quand on va écouter mon sentiment. si mon côté de moi me dit Mifa, fais demi-tour, c'est pas pour rien, peut-être. Ok, donc là, c'est bon. Donc là je suis à combien les amis? J'ai un point de skill, donc là on est à 15, allez plus que 2 et ça va être bon les amis. Toi t'es vraiment... T'es un vicieux toi hein. Oh là là! J'entendais, hein, j'entendais le... Celui qui fait ce bruit-là, hein, mais je me suis dit, attends, c'est bon, il est loin quand même, tu vois. Et non, en fait, il était juste à côté, ce petit vicieux. Je sais pas si c'est lui encore. Non, c'est pas lui. Gast. Oh la trouille. Oh la trouille. Vous avez vu le demi-tour que j'ai fait ou quoi? Rien de ça. Oh
On va se mettre comme ça, hein. Tac. Allez, on continue. Ok, donc là c'est bon. On est à combien les amis? 314 sur 459 les amis. On approche presque du but ultime. Ça va être cool. Ça, j'en ai pas de ça. Non, j'en avais pas. Vous savez pourquoi je me mets comme ça, hein? C'est en cas qu'il y en a un gaz qui apparaît là, je fais un demi-tour sur moi-même, prêt à enchaîner. Hein. Oh, les bruits que ça fait. Le gaz, il est là. Je sais que ça met quand même un timing à venir sur moi. J'ai l'impression que c'est les dents de la mer le truc. Bienvenue dans les dents de la mer. Ok, c'est bon, il est loin. 414, allez, on y est presque. Il faut pas mourir, c'est pas le moment. Ce serait vraiment dommage. Ouh, toi t'es bien énervé toi. Tu étais bien crazy lui. Logiquement, c'est plus vers ici, ouais. C'est où que j'ai vu les blocs après? Ah, c'est plus vers là. C'est un peu plus vers ici, les amis. Oui. Tac. On va passer comme ça. Hop. On a combien là? 447 sur 459. J'ai appuyé sur un truc les amis, je sais pas ce que c'est. You need the professions developing the guild. Ok. Je crois que c'est le mode de la guilde les amis qu'il y a au fait, parce que t'as un bâtiment qui permet d'avoir des missions. Je crois que c'est ça que j'ai appuyé sur une touche qui correspond à ça, je pense. Donc là, on est à 16, les amis. Allez, plus qu'un. Donc là, on est à 32 sur 472. Allez, on y est presque, les amis. Hop. Non, mais vous, par contre, c'est pas le moment. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est pas le moment, j'ai bientôt fini là. là, comment je pourrais faire? Peut-être descendre par là. Ouais, c'est bon. Allez. Hop, les amis, on y est presque. Oh, j'ai cru que c'était de la lave. J'ai cru que c'était la mort, les amis. Allez, on y est presque. Faut juste que je fasse gaffe. Oh, cette frayeur. Oh, j'ai vraiment cru que c'était de la lave, les amis. Hein. Allez, hop.
Tac. Là, on va monter par là maintenant. Franchement, on se met bien. Hein. On a pas mal de quartz, les amis. Donc, le quartz que je vais utiliser plus tard, je pense. Je vais essayer de voir ce que je pourrais faire avec les quartz. Peut-être que je ferai un mode pour cette série-là. Même si normalement je voulais pas le mettre là, mais peut-être que je le ferai, je sais pas, je vais voir. Parce que j'avais un mode par rapport au quartz, etc. Je trouve qu'il y a des blocs qui sont inutiles et qui pourraient être utiles. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que le bloc de quartz, en fait, c'est juste pour l'utilité de la décoration. Ok, là c'est bon. Des blocs d'or. Enfin, des pépites d'or, excusez-moi, les amis. Alors, ça, c'est du charbon, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il me faudrait un peu plus de quartz, il y en a en haut, je vais essayer de prendre des risques à monter en haut. Puis il y a de l'or aussi, enfin des pépites d'or, excusez-moi. Peut-être qu'il n'y ait pas de lave derrière. Ok. Hop. Allez, donne-moi de l'XP. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Donne-moi de l'XP. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais balancer mon charbon. La poudre à canon, pareil, je vais la jeter. Hein. Parce que là, il va me falloir des blocs maintenant pour revenir après. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas des ghasts. Je suis à combien là? 335 sur 472. Allez, on y est presque, les amis. Là, il y a pas mal de quartz. On va attaquer ici déjà. Tac. J'attends de descendre à 15 au niveau de la stamina pour ensuite manger mon toast. Parce que je crois que mon toast il donne 5 à 6. Ni presque. On va prendre des risques, on va y aller là-bas. On prendra un maintenant.
Ah, j'étais à 14, vous avez vu, ça m'a monté à 20. Hein. Ça m'a donné 6 le toast. Je suis à combien? 17. 17 sur 20, les amis. Donc là, logiquement, si je fais ça plus ça, que je tape par exemple l'XP, les amis. Mais mon dieu, qu'il m'a fait peur. Il est fou, lui. Vous voyez là, maintenant on peut faire les fioles et on peut faire également la machine à XP, donc ça c'est plutôt cool, donc bah écoutez, on a réussi. Donc là maintenant l'objectif ça va être de rentrer, donc je vais essayer de vous montrer ça. Pas qu'on dise ah ouais Mifa t'as triché ou autre, non non, je vais vous montrer comme quoi je vais bien rentrer à la maison, sans mourir, si j'espère en tout cas. J'espère que j'ai assez de blocs sur moi. Alors si je prends mon temps c'est normal, hein. J'ai pas envie de mourir honnêtement, je vous le cache pas. C'est pas que j'ai plein d'XP sur moi. Attention, pas l'XP classique, hein, l'XP qui permet de monter les skills. Je vous rappelle que c'est ça le plus long à monter. Plus tu es au level, plus ça met de temps, là on l'a remarqué. Plus tu es au level, là je suis level combien? Attendez, je peux peut-être regarder, ouais. 66. Là vous avez vu 66, maintenant genre à un moment donné, je crois que le quartz ça m'a donné 1 ou 2 en XP. Donc ça me donnait pratiquement plus rien à la fin. Mais heureusement pour nous c'est rempli de quartz donc c'est quand même worse. Après c'était un peu aléatoire. Alors il y en a un qui m'avait demandé je crois dans les abonnés que le diamant était en double. Alors le diamant est en double pour la simple et bonne raison que ça arrive aussi en vanilla sur l'1.17.1. Donc voilà, je réponds à la question. C'est normal, je pensais que ça venait du point de skill du minage, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Voilà, je préfère répondre à la question, j'espère que les choses sont claires. Mais c'est vrai que même moi je m'étais posé la question et je m'étais mis en vanilla, et en vanilla j'ai réussi à avoir 2 diamants sur un bloc. Donc ouais. Parce que j'ai quand même testé, voir si ça venait du mode ou pas, mais non, ça vient pas du mode, ça vient bien de la version vanilla. Notamment les blocs, je crois que ceux qui donnent le plus comme ça, c'est les blocs de la pierre des abîmes. Pour l'instant, je vais rien dire, parce que j'ai envie de dire quelque chose, mais à chaque fois que je dis un truc... Ça me porte la poisse, les amis. Bien creuser comme ça, mais on va faire attention. On va creuser comme ça, mais c'est la lave qui me fait peur. Ah, c'est bon. On a retrouvé le petit tunnel, les amis. C'est parfait. Aïe, 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 aïe. C'est une blague. Bande de petits coquins. Au moins ça vous donne des idées, hein, si vous avez vu ce que j'ai vu. Je dirais pas, à vous de voir ce qui vient de se passer. Ça donne une idée de comment faire certaines choses. Je vais mettre mon bouclier prêt à encaisser parce que j'ai peur de prendre des attaques de squelettes et de creepers, voilà. C'est pas sécurisé la zone en fait. Ok les amis, c'est bon, on est arrivé. Et les amis, maintenant, l'heure du verdict. On va essayer de voir ce que ça fait la machine. Et la déception, ça fait rien. Ça serait marrant quand même. Non, peut-être pas au fait. On va mettre le quartz ici. Alors, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ceci. Alors, la machine, elle se fabrique comment? XP.
Alors, des lingots et des fioles. Ok, est-ce que j'ai... Est-ce qu'il me reste des vitres? Je vais regarder, je crois qu'il doit, il doit m'en rester un. Oui. Donc ça c'est bon, on redescend. On fait ça. Tac. Ensuite, alors on met les lingots autour comme un carré. Et on met une fiole. Et ça donne une machine à XP. L'expérience Butter. Qu'on va le poser ici. Et donc là, les amis, je mets donc mes fioles. Ok. Alors ils disent qu'il faut un ingrédient, les amis. Vous pensez que c'est du charbon qu'il faut mettre? Je ne sais pas, les amis. Alors, attendez. Je mets par exemple ça. Player level. Expérience. Bottle expérience. On va mettre 6500. 6526. 6526. Ah ok, j'ai compris. Alors attendez. 6526. Et là, ça me donne la fiole directement. Voilà les amis. Moins 6507. What? Ah oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Ok, les amis, j'ai compris. Alors là, les amis, on vient de comprendre quelque chose. Alors, si vous avez bien capté, l'XP classique qu'on a récupéré, donc, pour monter les levels, ça nous prend automatiquement aussi dans l'XP qu'on a dans le vanilla. Donc, à faire très attention. Et par exemple, du coup, si tu mets l'XP de ton vanilla dans le truc, ça fait moins 6000 et quelques. Donc, ouais, il va falloir faire attention en fait. Donc, ouais, bon, on le sera. On le sera, ne pas tout mettre. Mais ça donne une petite idée de la chose. C'est quand même très intéressant parce qu'on peut quand même stocker tout ce dont on a besoin. Eh bien, écoutez-moi, les amis, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de vous avoir retrouvé sur Minecraft. J'espère, les amis, que cet épisode-là vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, les amis, très important, à mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager. Également de commenter pour dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre les réseaux sociaux, les liens dans la description de la vidéo. Et si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, que vous aimez mon contenu, n'oubliez pas, très important, de parler autour de vous de cette aventure et de cliquer sur la petite cloche pour avoir l'alerte en temps réel lorsque je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube, lorsque je suis en stream ou lorsque je poste une petite. Un petit message dans la communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis. À la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.